électorale en République démocratique du Congo est entrée dans sa dernière ligne droite depuis la publication du calendrier électoral le 5 novembre 2017. Cap vers les élections, la grande date à retenir. Du 3 novembre 2017 au 31 janvier 2018, finalisation de l'identification et enrôlement des électeurs dans les derniers centres d'inscription du Kasaï, Kasaï Central, Lulu et Kamij. 26 mars 2018, publication de la liste des regroupements des partis politiques devant participer aux élections. 6 avril, décision de publication des statistiques des électeurs par entité électorale. 8 mai, promulgation de la loi sur la répartition des sièges, article 140 de la Constitution. Durée, 15 jours. 24 juin au 8 juillet, ouverture de bureaux de réception et traitement des candidatures pour l'actualisation des candidatures de députés provinciaux. Retrait de formulaire, dépôt et traitement des dossiers des candidats députés provinciaux. Durée, 15 jours. Du 1er juillet au 28 septembre, enrôlement des Congolais résidant à l'étranger. Durée, 90 jours. 25 juillet au 8 août, ouverture de bureaux de réception et traitement des candidatures pour l'inscription des candidatures présidentielles et des députés nationaux. Retrait de formulaire, dépôt et traitement des dossiers des candidats présidents et députés nationaux. Durée, 15 jours. 25 juillet, publication des listes provisoires des députés provinciaux. 20 août, publication des listes définitives des candidats députés provinciaux. 24 août, publication des listes provisoires des candidats présidents et députés nationaux. 19 septembre, publication des listes définitives des candidats présidents et députés nationaux. Du 8 novembre au 22 décembre, accréditation des observateurs, journalistes et témoins. Du 22 novembre au 21 décembre, campagne électorale. Dimanche 23 décembre 2018, jour des scrutins directs combinés présidentiels, législatifs et provinciaux. 12 janvier 2019, prestation des serments du président élu. Ensuite, suivront les élections indirectes des sénateurs et gouverneurs pour finir par les élections municipales, urbaines et locales. Message de la Commission électorale nationale indépendante. L'avenir de nos enfants, ça sera où? Sanitaire, santé, éducation, économie, en gros, cannabis, nous sommes nous. Et nous sommes minimisés, puisque nous sommes congolais dans l'Ibanda. C'est ce qui a rappelé, on le suit, congolais méprisé. Passeport, la vie, sont négligé. Quand tu te dis que tu es congolais, ils ont quand même un sonny. Tu vois, donc il faut que tu te dises que tu es surtout pour que tu te dises que tu es congolais. Des fois, ça nous est ça la vie, parce que nous sommes parce que base, toujours semblé, nous sommes la vie. S'il vous plaît, tous ces gens-là, en politique, nous sommes, pensez à l'avenir de notre pays. Peut-être vos enfants étudient à l'extérieur. Peut-être vos enfants vont marier Botomi, Tomi, Libanda. Mais peuple, pauvre peuple, Nabanzala, tout ça. Où en sommes-nous? Où serons-nous dans 5 ans, dans 10 ans? Donc, tous ces gens-là, sur conscience, ces gens-là, dommage s'il y aura la conscience, s'il y en aura encore, si on en a. Sur conscience, ces alliés aux Amalams, tout comme ça, vous gagnez. Surtout qu'on va bloquer. En politique, on a l'idée politique. Vous qui êtes appelés opposants, beaucoup de la même opposition en Bokamsus. Comment ils débattent? Parlement n'a pas ça dans les y a un problème, comment ils résolvent ça dans le Parlement? Le sénateur va la carte RDC. Tant que tu as un problème, bien sûr, oui, il n'y a pas quelqu'un qui se dit non, non, nous sommes contre cela. Il ne faut pas ajuster la loi, il ne faut pas ajuster la constitution. Bon, interpréter la constitution. Vraiment, et l'autre élément. Et puis lorsque nous prenons des décisions, Yannick Nanga, avant que l'assignation ne s'améliore pas dans le monde, ici nous avons remarqué, il ne faut pas continuer à marcher, continuer dans le cadre, il n'y a pas de décision là-bas. Tout ça, nous avons dit qu'il n'y a pas de décision. Donc ça va avoir du naïté. Tu vois, donc c'est le cas, on va consulter. Mais le chef continue à mettre sur le wapi. Ils ont rassemblé, ils ont sommé, ils ont dit que le chef continue à mettre sur le wapi. Qui part à ta volonté. Alors nous demandons à nos autorités, tout ce qu'on distrait la population, ceux qui élection au salamanté, tout consulter. Parce qu'ils ont volonté. Moi j'ai vu que moi, comme moi, c'est la volonté. Et puis la bonne volonté a été ma validée. Ce n'est pas un terme là, comme on a peur de quelques mois. Je vous dis, Zimbabwe, tant mon gabarit Lumbaki, je me rappelle pas tout ni président Zaki Interi, comment vous pensez organiser les élections. Non, il m'a dit 8 membres. Là, oui, moi je peux organiser les élections. Donc pour organiser les élections, ça veut dire qu'il y a un bon modèle comme moi. C'est tout. Yeah, c'est tout. Blog, c'est ok, moi c'est Joseph Bolo. L'international. Facebook c'est Joseph Bolo. Et puis aussi maman Boga, c'est comme on le voit. Et puis ça mort. Candidaté mort. N'a pas si. Si Zimbabwe peut organiser des élections, Mboko n'en parlons même pas. S'il peut organiser des élections dans moins de peu de temps, est-ce que c'est question d'argent?
Parce que notre pays, on a beaucoup d'appartements. Congo, le leader qui me suit à ce temps ici, vos enfants étudient ici en Afrique du Sud. Vos enfants étudient aux États-Unis. N'est-ce pas? Ce qui est trop, tant que vote, tu n'es pas là. Mais si on vote, tu n'es pas là. Comment tu peux imaginer un député à venir dans le Panak? Tu places maman dans le Botama, tu places dans le Botama, dans le Botama. C'est bizarre. Village n'en place au Botama, dans le Botama. Mais tu as investi les balles. Ce qu'on a dans le Botama, c'est le Congo. Donc le problème de Congo, c'est le problème du cœur. Il y a beaucoup d'argent parce qu'on a beaucoup d'argent. Sauf que je suis quand même un peu dans Bukavu, dans Chikapa. Je suis quand même papa iranien. Mathieu Bossel a la SIM card. Mathieu Bossel a le téléphone. Oh, bah Bill Gates, bah, le téléphone a mis sur Mathieu Bossel. Bah, tu peux découvrir Mathieu Bossel. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas minéré au bas de la et puis, il y a des autres, il y a des autres, il y a des autres. Ils voulaient acheter le terrain là parce que la découverte qui va cobalt, va minéraux vous permet de passer à la SIM card. Vous comprenez? De la guerre, on va bouger la population congolaise, on va bouger la guerre, on va inonder Angola. Pourquoi? Terrain, on va bien mis sous ça. Bon, mais ce n'est pas un problème. Le problème de notre pays, c'est la volonté. Tu as un terme à B, tu as un terme à B, tu as un terme à B. Surtout, on a un terme à B, pamba. Avant décembre, d'organiser, Mambo Vanaka, elle est une salade, tu as une chance de te diriger. Au moins, sur compétition, ils avaient, on a un coquin. Si on a une compétition, on a un coquin. Tu sais, tu as une chance. Tu as une snail, tu as une vie des autres, tu as parce que, parce que, tu as un coquin, 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 tu as un donc, tu as une chance. Tu as chance. Tu as la soyeuse, tu as un examen, tu as un coquin. C'est ça. Là, je suis pour Facebook, je suis pour loi. Numéro 0027-6106-3285. Merci. Merci beaucoup, cher ami fidèle, téléspectateur. Merci beaucoup, papa. Je suis Néo Mbola qui a invitation à la mission et encore la plateau. Merci beaucoup d'avoir tout et mon rocher. Écoutez, émission la mission, je t'aime là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les processus électoraux en République démocratique du Congo est entré dans sa dernière ligne droite depuis la publication du calendrier électoral le 5 novembre 2017. Cap vers les élections, le grand date à retenir. Du 3 novembre 2017 au 31 janvier 2018, finalisation de l'identification et enrôlement des électeurs dans les derniers centres d'inscription du Kasaï, Kasaï Central, Lulu et Kamiji. 26 mars 2018, publication de la liste des regroupements des partis politiques devant participer aux élections. 6 avril, décision de publication des statistiques des électeurs par entité électorale. 8 mai, promulgation de la loi sur la répartition des sièges, article 140 de la Constitution. Durée, 15 jours. 24 juin au 8 juillet, ouverture de bureaux de réception et traitement des candidatures pour l'actualisation des candidatures de députés provinciaux. Retrait de formulaire, dépôt et traitement des dossiers des candidats députés provinciaux. Durée, 15 jours, du 1er juillet au 28 septembre, enrôlement des Congolais résidant à l'étranger, durée 90 jours. 25 juillet au 8 août, ouverture de bureaux des réceptions et traitement des candidatures pour l'inscription des candidatures présidentielles et des députés nationaux. Retrait de formulaire, dépôt et traitement des dossiers des candidats présidents et députés nationaux, durée 15 jours. 25 juillet, publication des listes provisoires des députés provinciaux. 20 août, publication des listes définitives des candidats députés provinciaux. 24 août, publication des listes provisoires des candidats présidents et députés nationaux. 19 septembre, publication des listes définitives des candidats présidents et députés nationaux. Du 8 novembre au 22 décembre, accréditation des observateurs, journalistes et témoins. Du 22 novembre au 21 décembre, campagne électorale. Dimanche 23 décembre 2018, jour des scrutins directs combinés présidentiels, législatifs et provinciaux. 12 janvier 2019, prestation des serments du président élu. Ensuite, suivront les élections indirectes des sénateurs et gouverneurs pour finir par les élections municipales, urbaines et locales. Message de la Commission électorale nationale indépendante.